Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 23, 4, Ouais, 3, l'épisode 4, non, suivant. 4, 4, 4, Voilà, 4. 3, 4, 2, Baldur's Gate 3 pour le coup, pas le 4. Et on se retrouve devant la porte en chaîne. Et bonjour les autres au passage. Écoutez, salut! Ouverture de porte! Je vous la laisse ouvrir, hein, elle est pas verrouillée. Donc... Bon, parfait, allez, on y va, salut! 280 XP. Pour une ouverture et de du porte. Coup, il nous manque 167 XP. Dans 3 kobolds, c'est bon. Ouais, encore faut-il trouver des kobolds. J'ai l'impression qu'on les a tous massacrés déjà. Hélas. 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 3 fois hélas. Les armes, faut les récupérer, hein, ça rapporte de la thune. Épée longue rouillée. Les rouillées, je sais pas, attends. Bouteille de graisse. Mais les armes en bon état, c'est bien avant. Les bouquins, c'est pareil, faut les ramasser. Que c'est beau. Quel ballot. J'avoue que... Ça se vend cher, les livres. Ouais, c'est... Cher. 14 pléos, je crois. Pour le rapport poids, je crois que c'est un des meilleurs objets que tu puisses... Potion de lecture de pensée... Levier. Oh oui, il y a des trucs à ouvrir. Tire le levier, écran. C'est bon. Pas celui-là. Pas celui-là. Il y a un truc derrière cette porte. Ouais, attends, je te guidance. Oui, il y a un parchemin potion de bourrasque. Potion de lecture des pensées. Attends, mais qui est-ce qui est en train de me parler? C'est la mulette qui me parle. Oui, ouais. Mais putain, elle casse les genoux, celle-là. Je raconte sa vie, en fait. T'en as un autre de l'autre côté, de tout qui a ouvert. Ouais. Y'a un truc, là. Je sais pas. Oh, il y avait des objets à récupérer en haut. Et toujours temps d'y aller. Ah bah ouais. Bon, un petit 29 hein, pour ouvrir une porte à 12 là. Vas-y, ramasse. Ouais, je pick-up. Attends, viens, l'ouverture de. Ah, t'as vu vraiment son trousseau de clé quoi, ça fume. Attends, j'arrive. C'était dans la pièce où il y avait les chats, où il y avait des trucs à ouvrir. Ah, mais j'ai fait déjà, on a déjà tout ouvert. Ah ouais? T'avais ouvert toutes les étagères? Ouais. Oui, il avait tout ouvert pendant que tu te baladais. Ah, yes. J'ai demandé à Arda de tout lire. Et il y avait rien. Oula, faux. Les réserves sont bien pleines, le secteur est propice à la chasse, en vue du futur ravitaillement, les urs sont pas une arme ici. Si ce temple a pour nom monastère d'Obrosé, il apparaît que ces moines cachent bien des choses sur la surface. Ces souterrains regorgent d'objets précieux que nous pourrons revendre après rapatriement des plus beaux artefacts. Fortes de ces nombreuses mesures défensives, la salle du trésor est tout à fait adaptée à l'installation d'un bureau de renseignement militaire. L'inquisiteur Vodargaz serait l'homme idéal pour mettre Thérésine au pas. Voilà. C'est qu'est-ce qu'ils disent. Il y a le sous-sol du monastère. Ah, c'est toujours un bon plan dans les sous-sols du monastère. Par contre, je sais pas si c'est là-dedans qu'on trouvera une amulette de machin, mais... Ah, non, je crois que le dernier objet pour le truc cérémoniel, c'est une masse. Une masse. Il en manque deux, hein, des objets cérémoniels. Mais non, une masse, il y avait déjà. J'ai déjà mis un marteau de guerre. Mais un marteau de guerre, non, une hache. Non, c'est une masse, c'est pas un marteau de guerre, c'est une masse. Bon, moi j'ai ouvert le masse. Bon. Attends, voilà. Oh ouais. Level up. Oh, vieux, let's go. Allez. Ah ouais. Oui, ils sont pleins. Hein. Il y a plein de gens. Bon, moi je monte mon niveau. Ouais, c'est vrai. Attends, je sauvegarde avant la montée de niveau, comme ça s'il y a des merdes. On peut recharger. Ah. Sans devoir dépenser des thunes. Qu'est-ce qu'on a gagné là? Oh, je peux apprendre deux nouveaux sorts. Oh, emplacement sort de niveau 4. Je viens d'avoir le meilleur sort de tous les temps. La meilleure feature de classe. Accent j'ai sort. Évasion. Oui. Dès qu'il faudra faire un jet de dextérité, je pourrai annuler. C'est dommage. Ça va être bien. Oh. Oh, attends, what? Attends, on a passé de niveau et j'ai pas l'action. Oh, c'est nul. Mais t'es sûr que t'as monté ton niveau en fighter? Bah oui, j'ai choisi Action Search et je l'ai pas. Oh, j'ai un sort de confusion. Ah, ils tapent leur pote, non, avec ça? Ouais, ou ils se baladent sans but.
Moi, je peux changer quelqu'un en mouton. Ouh, je peux invoquer un élémentaire mineur. Ah, c'est méfite, c'est... Oh, oh oui. Là, il y a un PNJ qui vend des trucs. Mais attends, mais on n'est pas méchant avec eux. Les Kianki, là. On peut leur parler. Ouais, les Kianki. Bah, je sais pas, parce que comme ils cherchent l'artefact qu'on a sur nous... Oh, il y a des coffres partout. Oh là là, j'ai envie de tout voler. Oui, alors c'est rouge, hein, mec. Tempête c'est... de gueule. J'ai envie de voler. Par contre, j'ai pas du tout regardé. Hop. C'est marrant, n'empêche, parce que quand t'as les mages qui montent des niveaux, ça met 1000 ans, et t'as monté un niveau fighter, j'ai monté un niveau à moine, il s'est littéralement passé 2 secondes. Ah, oui, mais ah non, j'ai gagné ça. Ok, fin du montage de niveau. J'ai eu Axel Surge, c'est level 3 pour les hein pour les manœuvres. Est-ce qu'il y a rien qu'on fasse un petit short de rest ou pas? Attends, j'attends qu'il finisse son niveau, je sauvegarde et puis je veux tester un truc. Ok, parce que j'ai pas mal de... Oh, tu me diras, non, j'ai plein de guillemets encore. Du coup, est-ce que je prends la confu... Oh, je sais pas. Là, on est tous entamés sauf Katox, mais je pourrais faire un petit sort de masse. Ah, sinon, moi j'ai le short rest du. Bard. Non, Bard. C'est pas pour les PV, hein, c'est plus pour récupérer. Parce que moi je récupère plein de trucs en short rest. Ouais, mais c'est un short rest. Hein. Ah, oui, bah. Non, mais c'est pour ça. C'est... Moi ça me prend, je récupère en plus mon Action Surge. Donc, C'est pour récupérer mes 3 spells. Je récupérerai 3 spells du Ki. Ouais, par contre les spells ouais je les recharge pas, c'est pour ça que j'ai voulu prendre du fighter parce que c'est pareil ça, l'économie de sort, je suis pas très bon. Et c'est surtout que short rest, je récupère mon channel divinity donc je dis pas non. Ça c'est pareil, ça m'embête parce que je vais en avoir que un. À tout moment tu peux aussi... Ah, le deuxième Channel Divinity, je crois qu'en prêt c'est level 8, donc ce sera mort, je pourrais pas le récupérer. Level 6. Qu'est-ce que vous préférez Parce que j'ai pas mal de sorts, c'est des sorts de concentration au final. Sachant que tu peux en avoir qu'un en même temps. Ouais. Du coup j'hésite sur la confusion, ça pourrait être sympa, mais ça dure que 3 tours, et c'est de la concentration. Mais t'as quoi d'autre autrement? Invocation... Non c'est 0, t'as quoi d'autre? Non, invocation d'élémentaire c'est quoi, c'est des level 4 ou 5 là? 4. 4? Ouais non, c'est élémentaire mineur, c'est pas ouf. Ok. Sinon j'ai mur de feu. Ouais. Ah oui, c'est pas mal, y'a quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai? J'ai bannissement. Banishment, c'est pas mal. La concentration, ça dure 2 tours. Je m'en sers pas. Ah, c'est que 2 tours. Ok, c'est ça. Ouais. J'ai flétrissement, 8 et 8 de dégâts nécrotiques. C'est bien ça. Pas mal. Mais c'est au cac, non? C'est pas au cac? 9 mètres. Voilà, faut être assez près quand même. Ah, c'est touché vampirique, je crois. Ouais, sinon j'ai de la concentration encore, de la concentration. Après... Ça, j'ai un pare-chaud. Confusion, c'est une méga zone, hein. elle est grosse, hein. Donc il est pas mal ce sort, moi je m'en suis déjà servi, là, c'est pas dégueu. Je prends confusion et je vais prendre mur de feu. Ouais, si tu peux prendre deux sorts, je pense que confusion et mur de feu c'est pas mal, ouais. D'ailleurs, on t'avait pas filé des pare-chocs de level 4 que tu pouvais aussi apprendre? Si, justement, c'est ce qu'il a dit. Justement, c'est ce que je dis, je ne prends pas ceux que j'ai déjà en parchemin. Ok, attends, faut que je teste un truc absolument. Sauvegarde du coup, Katox. Faut que je teste un truc absolument. T'aurais dû faire le short rest avant. Ça aurait été fait. T'as invoqué un mouton? Non. Exactement, il a invoqué un mouton. Ah, oh, l'attaque! C'est sur moi que tu l'as balancé? Non, c'est sur... Ils s'en battent les couilles, je suis à mouton, je suis chez eux, ils s'en fichent. C'est trop bien. Mais c'est vrai, qui s'inquiète de voir arriver un mouton dans un lieu secret? Et là, oh, c'est à tout moment... C'est de l'avoir, le but. Il s'inquiète pas non plus. Parfait.
le bouton qui se transforme et ils sont en mode ah mon dieu non bah, ça, c'était un humain. C'est juste... Si tu le transformes lui en mouton, il va pas apprécier. Oh, on lui casse la gueule. Après, en même temps, t'imagines. Les gars, tu vois, ils sont là, ils voient un groupe d'aventuriers arriver. Et, et là, paf, ils transforment en mouton un de leurs potes. Ok. Ah, c'est l'heure du méchoui. C'est si long à faire. Voilà. Attends, mais t'avais pas save avant qu'on prenne le niveau? Non, non, je re-save juste après, une fois qu'il avait terminé, justement. Ok, parce que j'étais à bon. Je suis désolé, ça prend du temps. Non, non, mais toi, mais là, c'est. Ah non, bah en même temps, t'es mage, c'est normal, c'est toujours plus long. Voilà. Maintenant, je vais apprendre les sorts des parchemins. Ouais, petit short rest, je suis chaud. Ouais. Pareil. Bah, c'est pareil, je vais chier pour récupérer les short rest parce que les manœuvres, c'est en short rest aussi, donc. Pourquoi est-ce que ça veut pas me laisser apprendre le sort? Je sais pas, moi j'ai pareil. Cible incorrecte. Je sais pas pourquoi. Moi je peux pas lancer d'action là. Moi je peux faire le short rest. Attends, ça me débloque pas. Ah non, d'accord, c'est qu'en combat le. Ok, l'action. C'est bon. On y va? Il y a quelques petits bugs encore hein, dans ce. Pas des masses, hein. Franchement, moi je n'ai pas vu beaucoup dans le jeu des. Bah là, j'ai pas réussi à apprendre les sorts depuis mon inventaire, il a fallu que je passe par mon livre de sorts. On me parle. Ah c'est toi le parchemin de confusion. Pourquoi c'est pas moi qui. J'étais en train de passer devant, pourquoi c'est encore le môme qui fait n'importe quoi? Mais je sais pas! Pour une fois, j'ai rien fait. Autant d'habitude. Je sais pas, autant là. Non mais en plus là c'est persuasion, intimidation, y'a même pas un truc où je peux me cacher quoi. Bah on sait pas en plus le degré de complexité. Vas-y, je vais faire persuasion. Attends, je te gagne. Faut faire Ouais. Allez vas-y, do it. Mec, par pitié, je t'en supplie, déconne pas. Mais ça, c'est. Bon, alors, de toute façon, lance le dé, hein. Au bout d'un moment, faudra prendre une décision. Ouais, ça, c'est. Bah, j'ai cliqué, mais ça m'est mis lent. Ah. Oh, c'est oh. Putain, j'étais pas loin. Ah, j'ai même pas d'inspire. Hein. You claim knowledge beyond us. Oh non. Oh, ça lui a pas plu, hein. For such a limited species. Ça lui a pas plu à la question. Non. Oh bah vas-y, recharge, je reste loin et on va voir si t'arrives à causer. Hein. Putain, c'est ouais. Chiant. Je vais demander à prendre mes sorts. Mais non. Je regardé si. Juste avant. mais non, c'est genre de parchemin. Ah oui. Bon bah. Putain, c'est relou. Pourquoi c'est Katox, c'est Axel, il parle directement au perso, comme ça c'est lui qui lance le dialogue. Allô? Oui. Oui, c'est ce qu'on était censé faire. Bah c'était ce qui était prévu, hein. Ça. Et ouais, mais peut-être parce que t'as avancé, et c'est toi qui a déclenché, qui a trigger le scénario. T'as déclenché le scénario. Ça, j'en sais rien. Vas-y, je vais rester là, de toute façon. Rapprends tes trucs, toi. Ah, je vais sortir de la pièce, c'est quoi voilà, vas-y, regarde, je crois que j'ai trouvé le bon spot pour toi. Dans le coin. Là, t'as raison. C'est bon. On va faire des trucs dans le coin. Bonjour. Ah, c'est marrant, on peut pas se rembourser entre nous. Ah, c'est bon, voilà. State your purpose quickly. Je déteste cette race, horrible. Moi aussi, je l'aime pas. Les Gifian qui là? Attends, mais on a intimidation, t'as 40 milliards de trucs. Bah, ah, non, putain, je suis trop loin pour te mettre le guidance, putain. Et ça passe pas. Non, bah, c'est pas grave. Eh bah, c'est pas grave, on les bute, ça fera du. C'est qu'il fallait les tuer, hein, tant pis, hein. Ouais. One step closer to level 8. Hein. Knowledge beyond us. Mais moi, je suis à 3 km avec mes petites jambes, putain, je suis dans le coin, merde. Putain, bah, je veux faire ouvrir la gueule. Ah, ouais, attends, vas-y, attends, vas-y. Je suis une ombre. Ah, okay. Toi aussi, Ichpin la Night. Ouais, mais moi, je suis pas Ichpin la Night. Tu vas voir, je pense que là, je vais te faire repérer maintenant.
Ah non, oh non, oh, 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 le goût. Ah bah non, je suis pas là. T'étais vachement bien, t'étais vachement bien caché. Ah bah ouais, mais t'as vu ça franchement. Attends, t'es prêt? J'y vais, je suis l'admi. Je suis la mec, je suis l'admi jusqu'au bout. Eh mais attends, mais pourquoi je suis passé mon tour là? Oh. Alors allez, toi, va lui monter comment? Oula. Oh ouais, t'as pas. Chef Afanka. Alors, bonsoir. Alors, petite question. Clic droit, examiner. Bénéficie de regains. Ils ne sont pas de résistance particulière. Qu'est-ce que je lui mets dans la liste? Non, mais ils sont où les mobs là? Il y en a un. Il y en a un juste derrière nous là. Hein? Mais qui s'y prend ici? Oh, il est pour vous. Attends. Il est pour vous. Tu tapes qui toi, Mulmire? Ah, je pense que je vais taper celui qui est devant moi, mais Ok, attends. Moi je vais aller me faire l'autre. Je suis un bagarre là, après. Tiens, qu'est-ce que ça fait? Paf! Ça sert à quoi, Hunter's Mark? Ça fait 1d6 de slashing damage en plus, et donc là... Paf! Oh le crit! Mais non, il a paré! Bon, allez, Axel, tu l'as. Paf! Allez! Oh non, 3 PV! Si tu peux le buter, ça m'arrangerait. Oh merde, je me suis stun. Oh. J'accepte de le tuer. Ah bah si, ah ouais, ça va tirer d'action en plus. Oui, alors tu peux le toucher, ça fait. Bah c'est vrai ça. Ah, tu l'as loupé, hein. Ah bah ouais, c'est bon. Mais, alors je sais pas pourquoi, mais moi ça fout le lag. Voilà. Ah, ça va. Attends, pourquoi j'ai deux actions maintenant? Eh, hey, ouais. Ah bah oui, c'est parce que c'était l'action. Ouh. Moi j'ai cliqué mais il se passe rien là, c'est trop chiant. Ouais, ça par contre c'est vrai que des fois quand t'es en combat, que tu lances des attaques, ça prend 3 plombes avant d'être pris en compte. Ok, qui UV toi? Ça. Il a fait une boule de miasme devant sa guitare. Ah bah attends, je vais tester un truc après. Oh. T'arriveras à le buter ou pas? Non. Ah, ça m'aurait bien arrangé. Quoi? Pour tester un truc. Parfait, c'est bon ça. Ah non! Attends. Vas-y, mets-t'en! Alors là, je t'ai envoyé un anneau bleu. Ah, hey, ça pourrait t'intéresser. Ok. Vous êtes prêts? On fait coucou! Oh, invoquer des morts vivants. Non, on peut pas les loot. Ah si. Si, faut looter les tas de cadavres par terre. Ah oui, d'accord, et toutes les viscères là. Oh, on a plein de copains. Tiens, mais je t'ai envoyé une épée. Oh. Je peux pas sauter là. Ah ouais, mais les épées Gitianki, tu peux pas en profiter, on peut en bénéficier si t'es pas Gitianki. Ah ouais, non, c'est les normales. Je te vois courir dans tous les sens là. Là, si je peux sauter, mais je pourrais faire ça contre toi. Ouais, voilà, bon. Parce que... Ah, ben voilà, là je commence à avoir du gameplay. Tu m'as passé 4 heures à faire ton tour. D'accord, mais j'aime bien. T'as des portes en bas. Mais j'aime bien. Oh quoi? La clé qu'on avait récupérée dans l'oiseau, dans le nid du piaf. Ah bah attends, il y a un cadavre auquel on peut parler là. Ouais. Oh, mais y'a que moi qui fous le lag à ce point là. J'ai l'impression que cet endroit, ouais, il lag un peu. Et non, on avait récupéré une clé sur le cadavre d'un des Geese. Ouais, ah j'ai bon récupéré une clé. Ah d'accord, je croyais que c'était Elle est par là, elle qui clé. Ça lag tellement. Oui bon, ouais. Non mais genre vraiment quoi, pour ramasser un objet ça se ramasse genre 10 secondes après quoi. Ah si vous voulez peut-être qu'on... si on reload le... Non bon. T'as tout looté en haut? D'un côté ouais. T'es encombré mec, hein. je peux pas dire mais... Ouais. Bon le tododo, j'aimerais le garder sur moi mais 40. Ouais, je l'envoie.
Moi j'ai de la base en si jamais. Enfin, j'ai besoin de la moitié des trucs que j'ai sur moi. Ouais, non, mais les objets, tu vois, genre pour vendre ou autre, tu peux les envoyer. Les trucs qui. Attends, je te prends les trucs qui sont lourds. Hop. Les armures qui Kitianki, elles pèsent 7 ans. Elles pèsent 12 ans. En soi, si tu veux te décharger sur tes trucs, tu t'envoies les armures. Ah, t'as envoyé au camp les. Ouais, c'est... Ok. J'ai de la place. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais dû commencer par ça, parce que là, vu que j'ai que 5 questions, j'ai gâché pas mal de questions. Dis, on se donne la clé. Ah bah tiens, ça c'est. Hop. Au camp. C'est du manger. Je sais pas ce qu'on est bon en bouffe là ou faut continuer à ramasser? Franchement, au niveau bouffe, on a de quoi, mais au pire. Ouais. On va y au camp, hein. Ouais, je ramasse plein de bouffe. Rat de bibliothèque, lire 100 livres, yay! Les zombies nous bloquent le passage là. C'est-à-dire les zombies sont nos amis. Y a des mobs là-bas encore si jamais. Y'a un bouquin. Si on continue dans le couloir, y'a des petits mobs. Tu veux dire des gis? Ouais. Bah là y'en a en face. Oh, on peut leur parler! Oh, y'a un marchand là. Y'a un marchand, on peut lui parler. Ouais, mais est-ce qu'il va pas encore nous envoyer bouler? Ah bah si on peut lui parler, franchement, je tente. J'attends que vous soyez en place et je vais essayer de parler au marchand. Katox peut-être va lui parler. Un peu ouais, loin. S'il dit on est là pour la bagarre et que tu lui as dit non, mais on est copains. C'est qui, il est où le marchand? Elle. Ah, je fais pas la petite. Il y a vraiment des moments de lag. Ouais. Mais c'est ce que je dis peut-être. Parce que je crois qu'elle a des objets pétés, elle. Ah, elle veut pas me parler tant que j'ai pas parlé au capitaine. Ah, donc on a fumé en fait les videurs. Il faut trouver le capitaine du coup. Si on monte, ouais. Si on monte là-haut, là, il y a des trucs aussi. Oh, mais il y a tellement de coffres et tout à côté d'elle. Oui, mais. Ah, c'est une marchande. Si on peut, ouais, marchander avec, parce que je crois qu'elle a des objets qui sont cool. Et je sais pas si on la tue, il y en a certains qui disparaissent. Bon. Je parle à peu près à tout le monde, espérons. Non, mais. Qu'est-ce que. Ah, mais t'as du mal hein, quand on te dit faut pas la tuer. J'ai pas tapé. Bah non, qu'est-ce qu'il a fait tapé, c'est en rouge. Ouais, bah, j'ai pas à looter. Je me suis accroupi. Quand il est en combat là. Putain, on va la buter à cause de toi. Mais non. Quand il est en combat là. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il est encore branlé celui-là? Eh bah il s'est accroupi. Parce que j'ai pas sauvegardé, ça fait. C'est pas grave, non, on va la buter, c'est pas grave. Et le stuff, après peut-être que c'est que des trucs pour. Ah non, il y avait un truc, je crois, qui était intéressant. Ah mais j'ai pas voulu, j'ai appuyé sur C et... Non mais t'as fait n'importe quoi, c'est pas grave. Et en plus t'es sur ça sera pas la première fois quoi. Oui voilà c'est ça, au moins on se rend compte que c'est pas parce que tu bois ton petit verre avant la partie que c'est... Exactement. En fait, c'est pas lié à la boisson, non. Je pense que le problème se situe ailleurs. Le problème se situe vraiment sur la chaise quoi. Ouais c'est ça, entre la bouteille et la chaise. Donc qu'est-ce qu'on fait, on la bute? Bah oui. C'est bon, on va pas faire des... Enfin, je sais pas, on va faire re-save sur... Ah, what? Par contre, c'est marrant, les autres qui sont en train de parler au-dessus, tu sais, on marave sa pote... Ils sont pas hostiles, les deux du dessus, là? Non, ils sont en train de parler. Ah, par contre, pas, la porte là-bas, elle s'est ouverte, ça c'est un peu plus chiant, par contre. Ah, oui, y'a un... Parce que là-bas, j'ai l'impression qu'ils sont 10 milliards. Ils sont beaucoup. Non, ça va. Ah, il y a un point de TP. Non, on a 1, 2. En fait, c'est une ville entière. 3. Ah, ouais, j'aime bien. Ouais, c'est une crèche. Le turn order se développe, je suis de plus en plus loin. Moi aussi. Ouais, ça va toi? Très bien, ton bouquin, alors il a de la parle quoi. Ouais, bon, bah écoutez, désolé. Hein. J'ai fini de lire d'une. Hein. Voilà. Et c'est quand que tu liras deux? Bah, voilà, en fin de semaine, il y a un pote qui a filé les 13 premiers tomes de. Vas-y, regarde. Il a pas de quoi.
13 premiers bouquins de Berserk, là, je vais enfin pouvoir les lire. Ah. Moi, j'ai commencé Asimov, les robots. Ah. Bah, j'en ai lu deux. Le troisième, j'ai commencé à me lasser. Le format du truc est un peu... pas fou. J'avais trouvé que Fondation était monstrueusement intéressant, mais... Justement, je vais, une fois que j'aurai fini les robots, je commencerai Fondation. Là, on fait quand même de l'énorme murder hobo, quoi. On arrive à un endroit, on bute tout le monde. On arrive à un endroit, on bute tout le monde. On peut jouer, on peut jouer. Oula. Ah bah non, on peut pas jouer. Vas-y, je vais essayer de... Bah. Oh. J'ai l'impression que l'archer là-bas est trop loin. C'est ouais, où là-bas que je descende sur la caisse pour... là-bas. Ouais, ouais. Ah ouais, il est hors de portée de mes sorts. Bah, tu peux te rapprocher. Ah ouais, moi j'ai fait tout. De toute façon, là, si tu tires d'ici, les mecs derrière toi ils vont te voir, non? Ah, je sais pas, je leur ai tapé dessus, ils ont dit, ils ont rien dit là, ils sont encore en train de discuter. Ouais, il fait noir. Ça me fume les deux derrière là qui font rien. Tape la discute. Là par contre, la blessure ouverte pendant 4 tours, ouais, pas fou ça. Ah, si je te souhaite, ça le retire. Ouais, mais c'est 2 dégâts de performance supplémentaires, hein. C'est pas 2 dégâts par tour. Attendez, bah. Je pense que là. Tu peux finir la première. Ouais, vas-y. Enfin, si ça, se passe bien. Ça le libérera, donc c'est bien. Sur un match difficile, tu peux pas taper les deux. Il doit pas leur rester grand chose. Attends, tu leur mets quoi? Tu leur mets des dégâts de tonnerre aussi? C'est. Qui ça? Arda? Ouais, j'ai l'impression, il a pas lancé un missile magique. Non, c'est. Des dommages de foudre. Ouais. Ah ouais, t'as le truc qui te fait des champs d'électricité. Allez, éclate-les. Allez. La parade, ça fait quoi déjà? Il reste. Ça enlève une partie des dégâts. Voilà, merci. J'aime bien le bruit, tu fais genre bonk. Attends, il y a un gars qui est passé derrière la porte. Je vais fermer cette porte. Attends, vas-y, je regarde les loots de la fille. Ouh. Ah ouais, ouais. Marteau du roi profond, très rare. Ah oui, ah, la muette, ouais. Ouais, je crois qu'il y avait un objet rouge qu'elle vendait qui était cool. Bah, couteau du roi mont profond, pas mal. Ouais, ça franchement, pour un voleur. Oh lolo. Bah, sur la run que je ferais voleur, ça je pense que celle-là elle peut faire bien bien mal quoi. Et l'autre qui est en train de vider toutes les caisses. C'est jamais... Ah bah là, je pense sinon, que il a un kiki tout dur. Sinon pour la forme, il y en a deux au-dessus, on n'aura pas les buter. Right. On pense déjà par leur parler. Non, ils veulent pas me parler. J'ai personne. Ah bon, on les bousille hein, maintenant qu'on a commencé. Bon. Attends, je vais me positionner en hauteur. On fait vraiment du murder hobo, c'est horrible. Je me positionne au cac. Oh, attends, dans le dos, si je suis en fufu. Ah ouais, parce que t'es encore plus haut. Bougez pas. Attends, mais si tu te caches et que tu te mets pas dans leur portée, tu peux leur faire une attaque avec avantage vu que tu les prends par surprise. Ah non. Il m'a vu. On lance le combat? Attends. Ouais, vas-y. 3, 2, go! Paf! Oh, je fais un petit cri de défamille pour tout ça. Oh, il lui reste 4 PV. Ah, mais ils sont surpris, trop bien. Ah, j'aime bien. Pas de chat. Vas-y, paf! C'était des guichons. La race d'extraterrestres qui fait peur à tout le monde. Excusez-moi, c'est vraiment mon. C'est mon espèce d'armée d'archers que j'ai pris là. Je suis bien. Bon bah, je prends les armes. Hein. Voilà. Ouais, mais leurs armures elles pèsent 12. Ouais, ouais, ah mais ouais. C'est pour ça tu les files et Ah ouais, non. Là en fait, je n'ai plus. Il y a une porte ici. Bah, mais qui mène vers l'extérieur, je crois. Bord de la falaise. Y'a un coffre. Arc courtisan.
Parkour. Ah, yes. Ah, j'ai récupéré l'arbalète qui fait des dégâts de moi, yes. Ça, c'est cool. Hop là, tout ça, ça va au camp. Il ressemble à quoi le couteau? Oh, il est joli le couteau, dit. Il a un skin. C'est le couteau que t'as équipé là? Ouais. C'est même plus un couteau, c'est une épée là. Ouais. C'est du truc. C'est épée courte. Ah, mais bon, c'est je cool, préfère ça, mon truc qui monte ma force à 19, tu vois. Oh, je pense que j'ai... Cette amulette, je la trouve pétée. Bon, c'est après, c'est sur un long rest. Mais j'ai un truc qui permet. Tes dégâts que tu fais, toi. Attends, t'as quoi comme amulette? Ah oui, non, t'as le truc du ki. De quoi? Alors, j'ai une amulette, si tu veux, sur un boss, je te mettrai, ça s'appelle Brand the Weak, et en gros, je peux choisir d'exploser les points vulnérables d'un ennemi, et ça le rend vulnérable aux dégâts soit contendants, soit perçants, soit coupants. Donc, c'est... Tous mes dommages, c'est du bludgeoning. Ouais, donc ça veut dire que si je le mets vulnérable, bah tu veux doubler les dégâts que tu fais. Oh. Pendant 3 tours. Oh. Donc, bah, ça après, veut c'est... dire que... Sur du slashing, c'est pas un... Ah oui, non, parce que toi, tu fais plus de dommages de Thunder à chaque fois que... Non, slashing, j'ai 1 des 6 plus 6, donc... non, ça va, c'est... je mets quand même pas mal de slashing, mais sachant que toi, tu peux taper à tour de bras, on ouais. fait ça sur un boss, tu claques tous tes trucs pour faire 40 milliards de coups. Je pense que tu le fumes. Continuons. Allons trouver le capitaine. Ouais, on aura massacré la moitié de son armée. Bonjour. Ah bah Vos nous ont dit de venir vous parler. C'est bien balise, capitaine là. C'est pas son nom. Après on a... Alors ici ouais, là c'est le bureau du capitaine. On a tout le reste du... Qu'est-ce qu'on fait? On tue les gens avant? On peut quitter une partie et revenir ou pas? Oui je pense. Genre si je déco reco. Ah, c'est que ça, peut-être on décode tous. Je sais pas, en fait, je t'avoue, moi je clique à des endroits, genre je sais pas où je vais à chaque fois. Ah. Genre je clique, mon perso il bouge 5 secondes après. On fait une petite pause. C'est redevenu réactif. Moi, sur moi, ça y'a pas de problème. On fait une pause. Attends, mais je tente de quitter, je reviens, ça se trouve, c'est juste moi. Enfin. Allez, petit break. Hop, j'arrive. Attends. Qu'est-ce qu'on fait du coup? J'ai rien vu, ça n'était pas une pause. Il y a jamais de pause. On explore le... On explore ou on bute tout le monde? Et si on bute tout le monde... On est parti pour un bon moment là. Bah oui, voilà, c'est ça le problème. On peut pas d'abord aller discuter avec le... Le capitaine. Je suis perdu, attends. Je suis où là? Ah par là. Bah on peut aller au capitaine alors. Ouais, je préfère qu'on commence par le capitaine pour qu'on ait plus de soucis après. N'empêche, t'es Gitian qui s'installe sur un truc, c'était quand même. Ben voilà, extraterrestre qui s'installe à un monastère. Enfin... Ah ouais, surtout. C'est vrai que c'est pas chez eux ici, là, c'est une bah occupation. Hein. Mais c'est pas grave, partout, c'est chez eux. Oh, y'a plein de gens. De l'univers. Ouais. Oula! Y'a un gros loup! Y'a deux loups. Ah oui, j'ai dit. J'ai pas mangé des cadavres. Yes. My Gish have drafted plans bah ouais, to assault the tower. They are ready to fight. Bah il parle déjà là. Sift the missing artifact from the tower's ashes. If you would give c'est pas le gars qui était sur le dragon, il était Fireball. Et après non, c'est moi, on dit que c'est moi qui tue tout le monde. Do as she says. She remains your Kithrak for now. Pas l'air fido. Ah, tu penses que ce qu'elle a ramassé c'est pour fermer la porte? Non, ouais. Alors, ah bon bien, oh, je suis pas sûr. Bon, bah, quoi? Ouais, je sais pas, je vous vois pas bouger. Il va pas. Pourquoi la zone? Pourquoi zone rouge? Ça veut dire quoi zone? Bon. Là, on peut pas faire de long rest. On peut pas faire de long rest et on peut pas se TP, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, je vais parler à la Xresra Sirene là. Ouais, oui, de caca.
my crash. You are one of the mercenaries sent to bring the weapon. Don't tell her anything. Ouais, on m'a dit que je pouvais rentrer par vos sentinelles. Vas-y, ça c'est marrant. On les a fumés, ouais. The Inquisitor. On what grounds? We have all the proof we need, and it has not moved his resolve. We know infected flock to Moonrise Towers. I reported the gathering masses back to Tunerath. In response, they sent an Inquisitor. Instead of ordering an assault, we were told to join in this mad hunt for an ancient relic. Meanwhile, illithid sickness spreads right in front of us. Attaquer. Restez fidèle à son perso. Moi, j'ai décrété que je les aimais pas, ceux-là. This hunt is the Inquisitor's folly, not mine. It is small, angular, metal, adorned with Tirsu script, stolen by true soul heretics. You realize she seeks the artifact you carry. What was that look? You know something. Do you have it? Trust me. Ah, je veux pas le lancer de dés. Ah, moi non plus. Bah ça va, j'ai plus 4, plus 3 et un avantage. J'ai fait 21. Mais tu peux pas prendre la guidance avec moi? Je suis à côté de toi. Non, parce que guidance, c'est un spell que tu lances et ça se voit que tu le lances. Je pense que tu l'as pas pour le mettre en même temps. ouais. Une récompense. A fortune in gold, vouched for by our queen herself. I have business to attend to. Return with the weapon, or do not return at all. Ah, c'est un échec. Bah voilà. Il suffisait de faire ça, hein, plutôt que de d'essayer de voler des trucs. Bon, l'avoine. Ouais. Tu n'es peut-être pas obligé de se mettre toute la ruche à dos. Je vais pas dire non. Ah, je suis redescendu de ma position élevée. Tu peux toujours y retourner, c'est qu'à une touche de là, c'est à deux clics littéralement. Attends, je vais faire ça quand même. Au cas où. Elle a combien de PV? Une ardente gnuril. Alors elle est level combien là? Attends, level 6. Attends. Je me mets à côté comme ça, je lui mettrai une patate où elle pourra pas bouger. Je vais fermer la porte. T'es sûr de pas vouloir te mettre plutôt en position près des... Des loups? Des loups? Je peux. Bon, à la limite, si, reste où t'es. Ça a l'air d'être une lanceuse de sort là. Ouais, c'est pour ça que je me dis si j'avais concentration, bah paf! Tatat. Bah, après, par contre, je suis à péta au stock là. On lui casse la gueule? Allez, on s'amuse. Et après, quand je tape sur des gens, tout de suite, c'est un problème. Oui, moi ça me fume quand même. Attendez, j'ai pas dit un mot de cette salle. Et la réponse est quand même la même. On l'a bu. Donc je tiens à dire que c'est pas spécialement ma faute. Je pense que vu le début, si on doit être cohérent avec le RP, on a buté les gars à l'entrée, on a buté la commerçante juste avant. Et puis on rentre, on fait ah, vous êtes nos potes en fait. Les gars à l'entrée, ils nous ont attaqué, on n'y est pour rien. Est-ce que je lui mets un petit coup de frayeur? Si tu veux. Bah ouais, ah mais vous les attaquez. On y va. Elle t'attaque même pas. Et ça t'attaque même pas, ça me fume. Genre tu viens de lui balancer littéralement un spell à la gueule et il s'en bat les couilles. Moi je suis en position pour taper sur l'ardent machin. Mais c'est fou. Ah! Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça fonctionne mieux. Ils ont des PV les deux cons là. C'est fou! C'est fou parce que pourtant je l'ai attaqué! C'est parce que t'es un mage, elle te prend pas au sérieux. Non, c'est la créature qu'elle a pas pris au sérieux.
moins il l'a solo, y a aucun problème quoi. Non, vous m'avez filé du stuff alors. Ah bah là ouais, c'est vrai que t'as été un peu survitaminé quoi. Entre le marteau et l'épée, le bâton et l'épée, je peux te dire que ça commence à faire des dommages cette histoire. Et l'épée? Le bâton. Entre le bâton et l'armure. Ah bah je crois qu'il y a des gens qui ont pas kiffé. Bah oui. Ah, je l'avais oublié, Pelle qui disait que c'était l'heure de se prendre des coups de poing. Ah bah je crois que... voilà, Belle, il... Ah, il est toujours vivant. Il reste un PV. Il y a un gars juste derrière toi. Oh, il a un flow le gars avec sa moustache là. Lequel? Oh ouais. C'est Katox qui a. Oh c'est ouais. C'est l'ancien Katox hein, en termes de flow là. Ouais ça c'est... Lequel? Là le gars dans l'encablure de la porte là. C'est... Il vient du Mexique, ah. Des Gates Yankee quoi. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. Ah, ouais. Le cliché. Bah non, un peu quand même. Hein. J'ai pas. C'est le catcheur mexicain, quoi. C'est ça. On a encore 8k de dispé à faire avant d'être level 8. Bah, avec tous les guitiens qui vont se farcir. Hein. Que... On est toujours dans l'actu. Oh, ouais. Ouais, quand je vais avoir les manœuvres, vraiment, ça va commencer à devenir rigolo, quoi. Quoi? Oh bah je mets des plus grosses tartines dans la toute. Oh non, ils m'ont fait tomber au sol. Et c'est surtout que voilà, je peux les mettre par terre, je peux faire une attaque qui permet de donner avantage à tout le monde. Ah non! Oh non! Oh. C'est pour ça que j'ai mis un squelette aussi, c'est que ça absorbe quand même une quantité de dégâts pas déconnant. Moi je comprends pas comment elle a réussi à me foutre à terre. Alors là. Alors la mage là qui s'est barrée, j'apprécie pas donc. On va leur faire coucou. Bah, hop là. Les deux qui sont là, je m'en occupe. C'est l'heure. Paf. Petit nuage de dague. Arrête. Ça a cassé la porte, c'est génial. C'est tellement bien pensé. Juste par principe, je trouvais ça très très drôle. Mais le loup, il en a des PV sur ça. Plutôt ouais. La magicienne hein, qu'il faudrait buter. La magicienne. Oh, là. Tiens, Mulmire, je viens de t'envoyer une armure là. Je pense qu'il y a moyen que ça te plaise. Comme ça Ouais, yes, mais moi j'ai déjà le truc de. Non, mais là j'ai une armure, une épée là. Genre, elle a l'air roupée. Non. Mais non parce que en gros le 1 des cas de dégâts psychiques c'est si je suis Kyanki. Ah bah, j'ai rien dit alors c'est du Kyanki. Ça c'est vraiment en le fait, truc c'est... l'épée OP quand t'es Kyanki mais faut que tu butes toute la crèche Kyanki quoi. Ouais elle est pas mal cette épée. Bah après ça me fait un des 4 de moins mais c'est. Ouais pourquoi je peux pas quitter. Un autre joueur est en train de réagir. Mais oui, mais j'ai. Est-ce que j'achève là? Donc 16 de vie, ça va être un peu compliqué. Bah. Alors, faut que je descende de ma position. Bah, l'autre. Si tu veux... Non, l'autre, elle va commencer, elle va se prendre le nuage de dague. Il y a une chance qu'elle crève dedans. 12 PV, ouais, mais. Malédiction, sort de nécromancie de niveau 3. Ah ouais mais j'ai pas revu mon livre de sort avant de commencer le combat, je suis un idiot. J'ai pas craché une boule de feu. Ah c'est vrai que j'ai aussi plus cons. Voilà, elle aura pas l'opportunité de commencer. Après, moi je suis bien niveau PV, hein, donc si jamais je me prends quelques tartines par le guerrier, c'est pas. Ah bah. Pas feu. Pas super, allez.
Il y a des mobs à buter encore. Ouais, il reste le guerrier Irk. Ici, je l'ai loupé. Non, j'aurais pu. Ah non, attends, c'est... on peut pas monter sur la table, non? Par contre, j'ai que 65% de chance de le toucher, c'est... ça me paraît peu quand même. Il y a quelqu'un qui serait blessé à côté de moi. Ouais, vas-y, t'es où ? Je vais nous mettre une petite popo au sol. Non, je ramène mes squelettes comme ça au pire. Je sais pas si les squelettes vont pouvoir tous le prendre. Je pense que les squelettes ils vont pas kiffer la potion de soin, ça va leur faire des dégâts. Ouais, essaye. Vas-y, tu peux taper dessus. Ah. Attends. Ouais, ça leur a rien fait, je crois. Mais je sais pas si c'était... je pense pas qu'ils se devraient à la zone. Attends, bah t'auras pas dû bouger... Ah mais t'es tout soigné. Ouais, moi je suis full. Ok. Carte des terres perverties par les ombres. Ordre des Gisianki. Y'a un... comment ça s'appelle ? Il y a un truc là, un astrolabe là de tout à l'heure sur la table que t'avais lu. Ouais. Parle d'interrogatoire. Ok. Bon bah. Après on peut ouvrir la porte là. Ouais, faut que la personne qui a ramassé le caillou. Je pense que n'importe qui peut le faire. Déjà en cours d'utilisation. Annihilateur de barrière Gisianki. Voilà, on peut passer. Le truc vient de me parler. Il a dit quoi? Il m'a demandé qui était en train d'enlever le truc, la barrière. Il a dit ah mais c'est vous. Et après il a dit venez vite, on a affaire à faire. On a forte affaire. D'accord. Peut-être me reprendre une petite potion moi, et je vais revoir mon livre de sorts aussi. Bougez pas, parce que j'ai pas pris les bons sorts évidemment. Ah, par contre, ouais, je suis deg. Hein. Le coup de l'Action Surge et le Channel Divinity, si effectivement c'est sur le même CD, c'est pas cool. Hein. Ah, peut-être parce que c'était trop OP, ils ont fait ça comme ça. Hein. Bah, je sais pas, je vais aller voir vite pendant que je fouette les trucs là sur le même. Parce que Channel Divinity j'en ai un et Axon Shirt j'en ai un par Short Rest, donc c'est pas non plus le truc. Mais après là on a pas fait le Short Rest hein, cette fois-ci. Hein. Non, je suis d'accord, mais il n'empêche que. Non, mais du coup, non, ce que je veux dire c'est que du coup là le Channel Divinity il remonte à genre si tu t'en es servi depuis qu'on est dans l'acte 1,5, on n'a pas fait de repos depuis. Hein. C'est ça que je veux dire. Moi là j'ai pas pu relancer mes spells depuis qu'on a battu les chats. Ah, c'était le truc voilà. De 14. Parce que tout à l'heure, on a... c'est ça, tout à l'heure, on a fait un short rest. Après, il m'a polymorphe et quand on a rechargé, on n'a pas refait de short rest depuis. Donc, Ah, d'accord, ok. Voilà, voilà. On avait refait le short rest. Moi, tous mes spells de short rest, je les ai pas. Et je les ai pas relancés depuis. Alors, si jamais faire un short rest avec le. Vous avez ouvert le coffre. Tu veux le short rest après, on peut faire un short rest là. Ouais, c'est plus que conseillé. Tu veux ? Ça... Non, mais c'est... Ah oui, non, c'est vrai. C'est bon, non ? T'as les... Ouais, t'as les deux, là. Ouais, Channel Divinity est revenu, mais Axon Surge... Ouais, normalement, c'est bon. Là, c'est bon, vous avez... Hop, j'ai récupéré un sort de niveau 3, moi. Cette petite restauration arcanique. On s'est arrêté là, d'ailleurs.
sais pas ce qui se passe au milieu du pont, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de soigner son squelette, mais ça n'a pas marché. Non. Nice. Tu penses que leur mettre des dégâts nécrotiques, ça les soigne? Je pense pas, non, ça fait des dégâts. Tu crois? Oui, ça fait, sur les morts vivants, ça fait des dégâts et ça leur met un... un malus. Un désavantage. Oh yes! Ah, j'ai un scroll. 112, 41, 32. Oui, là, c'est 28. Ah, Barda, t'as mis un petit emplacement là, bien sympathique. Allez, on va voir ce qu'il en nous fait. Là, tu pourras aller là, Arda. Ouais, mais faut peut-être d'abord discuter avec le gars, parce qu'il a dit qu'il voulait discuter. Interesting. My Ardents reported that an Istik survived the crashed Geek slave vessel. You have accomplished much since. I'm pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks their children's nightmares. To business. I suspect you plucked something precious from the Geek ship. Something that belongs to us. Mais c'est pas le truc, c'est pas Ombroker qui avait ça à la base. Si, si, mais vu qu'on l'avait pas avec le groupe, ça a été tapé dans notre inventaire. Et du coup, Ombroker, elle veut pas leur donner? Bah, en fait, le truc, c'est que si on leur... notre ange protecteur, c'est... il nous dit de pas le faire. Bah, c'est parce que l'ange protecteur, c'est l'artefact. Si j'ai bien compris. Ouais. Et en fait, du coup, si on enlève l'artefact, ben on se transforme en poulpe. Ok. What makes you think we are not? We are talking about the grand design, the restoration of the Illithid Empire. There is nothing of greater importance. But the weapon is the solution. I have heard it directly from Queen Vlakith herself. It is how we will stop the Mind Flayers before they destroy us all. Hand it over. Tu peux pas juste attaquer? Oh, si, regarde. Your illustrious adventure ends here. Voilà. Ah, oui, d'accord. Ah, ouais? Ah, bon? Bon. Bah, salut, tu vois, c'est moi le bourrin, quoi. Mais purée. Mais c'est des Gitiens qui. C'est des Gitiens qui, c'est pas très grave. Mais si, je suis à 14 de Dex. Oh, lui. Putain, il en a des PV ce con là. 32. Il en a plus que 2. J'ai roll combien là? No choice but to keep going. Alors, ce que je vais faire. Dommage, je vois le one shot normalement. Bon bah j'essaierai de one shot celui-là. Donc, je vous avoue que à moins que vous le tuiez, celui qui est à côté de moi qui a 2 PV là, s'il est toujours vivant à notre tour là, je suis chaud de pouvoir le finir pour avoir une action en plus. Ouais ouais, bah, c'est pour ça que je te le laisse. Ce serait peut-être bien de viser le... Oh, chier. Quoi, le chef? Non, mais en fait, vous avez raison, faut diminuer le nombre de gars qui peuvent s'infliger des dégâts. Bah, surtout ouais, les ardents, là, parce que... Je comprends. Putain, si c'était rapproché, ça aurait été tellement... J'hésite, mais j'ai pas envie de gaspiller l'un de mes rares sorts de niveau 3. Non, mais non, t'inquiète, vas-y. Parce que c'est même pas... même pas si hier. Non, c'est pas sûr que... Parce que je vais... Counterspell? Ouais, ça par contre c'est sûr. C'est quoi ça? C'est quoi, il se fait un contrôle mental ou quoi? Il se fait fonctionner. Ah ouais, putain, j'ai eu 0. Je sais pas qui me fait des trucs là.
c'est lui là, Shaggy Vargas là. Ouais, c'est le chef. Mais c'est ta concentration. Et ouais, ça suffit là. On va le taper une fois et ce sera fini. Alors, moi je vais essayer de taper le. Je vais taper lui en fait. Ah, mais de toute façon, là, on est d'accord qu'il faut le défendre, qu'il faut. Ouais, mais on peut tout utiliser là dans ce combat là. Oui, d'accord. C'est bon, vas-y, utilise ta popo de hâte. Moi, de toute façon, je vais en utiliser une. Tu remarques là que j'en ai toujours pas utilisé depuis tout à l'heure. Ouais, c'est bien, j'ai été économe. Bon, en même temps, j'en avais qu'une. Mais pourquoi on a fermé la porte? Je sais pas. Pourquoi c'est lui qui a fermé la porte? Pourquoi il a fermé la porte? Je sais pas ce qu'il y avait. Ah, c'était utile comme action, ça dit quoi? Ah, il est trop loin, je peux pas le. Bah, rapproche-toi un petit chouïa, non? Tu peux te rapprocher un petit peu? Alors lui. T'es pas au corps à corps là? Des personnes autour de toi, Arda? Lui, mais non, non, j'ai fait. Ah oui, 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 ouais, mais je serais. C'est vrai que j'oublie tout. Je peux claquer des talons. Ah, mais t'avais déjà dépensé ton mouvement? Ouais. Ça sent la boule de feu, ça. Lui, élevé. Lui, je vais le mouiller et je vais lui balancer de l'électricité sur la gueule. Hein. Comme ça, il sera vulnérable. Ouais. Ouais, mais j'aimerais bien le déconcentrer pour que Atemir. Non, cherche pas. De toute façon, c'est moi qui dois lui faire des dommages pour que ça enlève mon truc. Ah bon? Il y a marqué la condition s'arrête lorsque l'entité affectée fait des dommages à. C'est moi, donc tant que tu lui fais pas de dommages. Ah, c'était ça son nom, non? Schreivarkas. Ça avait l'air de correspondre. C'est genre un Dorum Schreivarkas ou Shawarma, je sais plus comment on dit. Après, bon, là, sachant que ce que je veux lui mettre dans la tronche, normalement, ça va faire passer 1000 lives, donc. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas Misty Step. Ça t'embête si je bute le mec à côté de toi quand même? Bah tant pis, au pire, c'est pas grave. Mais ça t'apporte vraiment des gros bonus ou pas? Non, en fait ça va me donner une action complète en plus. Une action complète en plus? Ouais. Mais c'est pas grave, non mais enfin vite ta vie surtout moi. Non parce que je peux l'achever quand même. Bah après tu peux tuer ce gars là, non? Je lui balance déjà 3 missiles magiques. Bah après y'a lui. Lequel? Là. Côté de Mulmir là qui est full vie. Ah parce que lui moi je vais l'abandonner. Ou alors y'a. Ou alors il y en avait un là aussi. Ouais, lui c'est un mage, ça peut être bien de le calmer. Alors si tu veux sinon. Atemir, je vais te faire une offrande. Celui-là, vu que tu dois le taper, je le rends vulnérable aux dégâts. Comment dire, contendant pendant 3 tours. Après, faut que j'arrive à aller jusque lui, hein. Ah ouais? Oui, c'est TP. Oh, mais c'est pas grave, ça, au pire. Il a que 2 PV, ça sert à rien d'utiliser un sort sur ce gars-là. C'est le gars qui est juste derrière toi, hein. Ouais, mais là, si non, non, mais alors, devant, il parlait du boss qui est floupi encore. Attends, c'est quoi ça? Attends, je comprends pas parce que. Ok, bon. Hop. Ah bah non, super, c'était une action bonus. Super, let's go. Oui, la potion, c'est une action bonus. Bon, je vais faire ça. Mais do your thing. Ah. Ah, j'ai mis que 30. Okay. Ouais, mais maintenant c'est il. C'est déjà est... pas mal, hein. C'est un peu un quart de sa life que tu viens de lui mettre. Bon alors, toi déjà. Tu fermes ta gueule. Est-ce que je termine le gars qui en a 2 de PV? Attends, je suis dessus. Ok. Toi, si tu veux le finir, mais je suis dessus. Bon, je sais pas que je veux, mais je peux. Alors ça c'est une déception sans précédent. Bah finis-le parce que je pourrais pas, il est trop loin. Un squelette peut pas. L'autre squelette. Voilà.
Lui, hein, c'est dégâts de glace et d'électricité x2 en dessus. Ah merde, oh, je voulais qu'il reste un ardent. Shatter, là. Mais ça marche pas. Je vais pas lui faire de dommages avec Shatter. Après, c'est chiant. Tu peux lui faire des dégâts avec Shatter, mais c'est juste que ça. Non, mais c'est parce que c'est trop loin. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ça, c'est trop loin aussi, non? Des dommages de flotte, ça marche, tu dis? Dégâts de glace. Glace et foudre, Tu peux pas viser le deuxième avec 16 PV, peut-être que tu arriveras à le finir. Non, je peux pas, il est caché, j'ai plus de mouvement là. Ok, tant pis. Bon, déjà, on a lavé les fesses. T'as la liste de buffs du perso d'Atemir, quoi. Bienvenue. J'avoue. C'est pas grave, on va faire ça. Surtout, rapproche-toi de nous, enfin, y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. C'est pas trop ce qu'il fait, personne. Ah, il t'a mis le Mental Link aussi. Oh oui, les gars, faites ça. Mais alors là, c'est cadeau, là, j'ai envie de dire. Oh, je sais pas ce que tu lui as fait, mais ça a pas l'air de... Bah, de l'électricité. Ouais, je lui ai mis une bonne grosse fireball dans la gueule. Ouais. Il était mouillé, je lui ai mis deux éclairs dans la gueule. Oh là ! Ah, la reine ! C'est mort. Alors, c'est juste, je fais un coucou de la main. Tu peux save ? Let's go. Je sais pas si tu peux save pendant les comptes, pendant les situations. Ouais, ça se... J'ai fait un coucou de la main. Ah bah je pense, hein, du coup il faut. Coucou. T'as même fait la gueule et tout. Elle sait pas si elle est contente. C'est à moi, mon précieux. Je pense que si on dit la 3, par contre, il y a moyen qu'on soit l'ennemi des qui tient qui jusqu'à la fin, quoi. L'équipe machin. Ouais, mais tu l'as très bien prononcé. C'était ça? Ouais, ouais. Ah, j'étais pas sûr. C'est la waifu qu'il faut. Attends, depuis quand les Gitienkis sont d'une confiance? C'est leur reine. Non mais je suis d'accord, mais ce qu'elle veut c'est qu'on tue la waifu. C'est ça. Ouais. La waifu elle nous sauve. Vas-y, je tente de sonder les pensées de la reine. Allez. Moi je suis chaud de ouf. Je pense que le level du jet ça va être 99 ou un tout dans le champ. Non, je fais 10. Ah, allez, ouais. Pas drôle quoi. Ça fait combien? Je fais 9. Mais t'as pas mis cet inspi là? Non, on est plus. Oh. Ah oui, d'accord.
Et comme ça, on est mort, là. C'est incroyable. J'adore ce jeu. Alors, j'avais pas eu cette ligne, j'avais pas eu ce dialogue. C'est incroyable. Ok, c'est d'accord. Genre, ah, et bah c'était notre playthrough sur Baldur's Gate 3. C'est ça. C'était très... c'est le premier game over qu'on a, hein. C'est le premier vrai game over. Ouais, tout ça en bas. Bah non, c'est pas le premier, parce que bon, on a eu cet épisode avec une araignée. Il était compliqué, mais... Bah vous savez quoi, on va peut-être laisser le hangover pour la suite. Le hangover. Le cliffhanger. Ouais. Les deux. Là, ça sent qu'il est tard et qu'il faut aller dormir. Il y en a qui se réveillent dans 5 heures, hein, par pitié. Oui. Non, mais quelle idée. Mettre de la bouffe sur la table. J'ai une femme et des enfants à charge, je peux le dire maintenant. Allez, on s'arrête là. Des bisous tous. Allez, ciao, des bisous. Salut.